Ah là 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 là. Re bonsoir Nyark Nyark, bonsoir Regi Rigaï 999. Et après avoir sauvé la ville des rats scorpions démoniaques et la fille du débile du village, nous partons au sud chercher Dépoville. Non. Attendez, une ville là. Quelque chose ici. Une vache à deux têtes. Non. Dois-je aller plus au sud qu'ici? Allez, c'est parti, Kenshiro part vers le sud. Alors j'ignore vraiment où est Dépoville, c'est mon seul défaut. Attendez. Les réserves en eau, ce abri s'épuise, il est urgent de trouver la puce d'eau, mais Nictaras, il me reste 100 jours, c'est ça? Oui, mais c'est où Dépoville, c'est le problème. Je suis sûr, je l'ai encore dans un vieux sud là. Attendez. Bah non. Attendez, c'est là. Dites-moi que c'est là, Dépoville. Bienvenue à Dépoville. Quoi? Well, to be honest. Si tu es là, mais elle est... Il a... Ghoul a été touché pour 30 points d'impact, le coup le terrasse. Il y a une ville de ghouls partiellement amicale, rien à battre. Ah, en fait, c'était pour me dire, tire pas. Alors, on va prendre le conseil. On va charger la partie et se barrer de la ville. On va direction le sud. De toute façon, je vais rien trouver d'autre. Je vous jure, si je me fais bouffer le cul, je râle. Oui, c'est cool. Bande de bâtards. Ils sont 28 putain de mille. Bonjour, au revoir, au revoir. Taras. Suivant. Au moins on a beau dire, ça fait le ménage, hein. Ça fait beaucoup le ménage. Bon attendez, on va s'occuper des dernières. Tel qui grogne, n'attaque pas si tu restes loin, file au nord de la ville. Permettez-moi de m'excuser, mais peut-être que ces ghouls ont des choses intéressantes sur elles. Yeux Blu-ray. Ah, je tombe
sur des ghouls, moi je tue, hein. Nord de la ville. Oui, ça fait d'XP, mais... On va faire les techniques de rabat-joie. Il y a un chemin ici. Quelque chose. Mais Michel! Je fais quoi là? Putain, j'ai trouvé un putain de chemin et ça marche pas. Une orchestre de merde. Putain, je me casse le cul à aller au nord de cette foutue ville et je suis coincé. Bonne chance, il y a un passage, où est le passage? Putain, aidez-moi! Non! Ça, c'était pas prévu, docteur. Hein? Bah, j'avoue que j'aimerais bien voir la localisation. Elle est résistante, là. Elle est résistante, la pute. Saloperie. Yoas de pique, c'est de la génération aléatoire. Alors, faudrait demander aux gens qui connaissent. C'est pas de la génération aléatoire, je crois, au moins sur la partie ville. Par contre, sur la partie ennemi, dégâts et random encounter, sûrement. Merde, je vais me faire tuer. Après, demande au chat, hein, les gens s'y connaissent. Nyark Nyark, il était où tout à l'heure, je sais plus. Non, voilà, c'est pas aléatoire, c'est ça. Nyark Nyark s'y connaît bien. Mais meurs! Voilà, retourne dans ton cimetière, dans ta tombe. Meurs, fous-moi la paix. Ah, les cartes le sont pas, hein. Merci, Cocor, de l'info. Non, mais là, t'as l'armure de Kenshi. Voilà, merci. Bon, allez, cassons-nous d'ici, parce que moi, je vous avoue que là... Ça a fait du monde, hein, à tuer. On va pas dire le contraire. Zomboïde, 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 zomboïde. Ça me dit quelque chose. Alors, on m'a dit qu'il faudrait checker 2-3 cases à l'ouest. Oui, c'est ça, c'est le jeu de Etonia. Ah ouais, voilà, hein. Attendez, c'était quoi le nom du bled? Nécropolis. Ah non, 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 pas les rats de scorpion. Non. Meurs! Oh, bordel. Je vous jure, je vais le tuer, lui. Mais c'est quoi ces horribles rats de scorpion, comme ils disent? Die, motherfucking monster. Comment ça, ma charge maxime? Attendez. Inventaire. Antidote.
Ok. Tiens. Non, mais... Fout de ma gueule le jeu se fout de ma gueule. Ah oui, j'avais tenté de parler au rat de Corpion. La semaine dernière, premier stream, donc jusque-là, tout va bien. Bon, oublie ça. Et je commence à arriver devant l'abri où je devais aller au début. Jusque-là, tout va bien. Et là, dans ce moment-là, je vois un truc, tu sais, je me dis, c'est quoi cette merde? Et là, bam, je parle à un rat de Scorpion. Bah, par terre. Alors, remontons toujours plus haut. Ah c'est quoi ça? Range-moi ça, Dépauville. Ah, Dépauville, Dépauville. D'accord. Alors, inventaire, on va ranger ça. Ah, Dépauville, ah de Zeus. Alors, fait. Oui, sauvegarde et annulé, oui. Dépauville. Dépauville. Attendez, petit. J'ai un petit bug. Juste le temps de checker si ça marche comme je veux. C'est là le souci. Tu comprends l'eau de la montagne. Moi, je commence à faire mon JCVD. Mon Dépauville. Rien que le nom de la ville, déjà, me donne envie d'aller me pendre un coup. Après, voilà, c'est le monde de Kenshiro. En fait, c'est le monde de Roger. Je verrai pas, mais c'est bien que t'as une tête sympa. Ah bon? Eh bien, dans ce cas, merci, monsieur. Ah, j'ai essayé de négocier le truc. Qu'est-ce qu'on peut faire par ici? Beaucoup de choses, à condition de rester dans le bon camp. Il y a la boutique de Killian Darkwater. Excusez-moi, pour y faire des affaires. Le casino de Gizmo. Aller au Scumpit. Mais évite de trop chahuter. D'accord, merci. On va fermer notre gueule. On va dire oui, oui, monsieur. Merci, monsieur. Bonne journée, monsieur. Oui, oui. Qui es-tu? Tu vois un garde d'Épauville. Ah, il faut choisir son camp, d'accord. Donc la ville, c'est il y a déjà des embrouilles. Méfie-toi de Gizmo et ses gars. Là. Ah, c'est dommage. Méfie-toi de Gizmo et ses gars. Elle était sympa, tu sens déjà l'ironie. L'ironie. Ah, un pécor de d'Épauville. Andrew, ah Andrew Ryan. Qui es-tu? Que fais-tu? Oh. Troc, qu'as-tu à vendre? Ok, dégage. Et salut, hein. Salut Michel. Moi la paix. Dégage. Je n'ai pas d'intérêt à parler de gens aux gens de ton espèce. Citoyen d'Épauville. Bah en fait à chaque fois je vais me retrouver. Attendez, elle est grande la carte. Alors ici il y a un truc. Ici elle a l'air d'avoir un vieux truc à bétail. Ah non, elle est pas grande autant pour moi. Ça va encore être un perso qui va me foutre les jetons. Hôpital. Attendez, je comprends pas trop le principe là. C'est fermé, reviens plus tard. D'accord. Bon, on va faire la technique du 1. Pipe. On va dormir jusqu'à midi. Qu'est-ce que tu troques, Doc? Qu'est-ce donc? Un outil? Intéressant. Balles. T'as pas honte, Michel, là? C'est bien parce que je suis sympa, hein. Combien vaut ma tenue? Ah non. Dégage.
Quand le doc s'appelle Doc Morbide, ça me fait un peu peur. Bien et toi? Le cougar va toujours bien, et je dois savoir. Ah, va voir mon assistant. Bon, rien d'intéressant. Ce qui m'embête, c'est que j'ai pas l'impression de voir... attendez, la carte. Ouais. Oui, détecteur pas installé. Je comprends pas trop ce que j'ai à faire ici. La racaille qui était dedans, mais bon, la racaille... qu'elle soit dedans ou pas, on s'en bat un peu la race. On est d'accord. Laissez-moi rentrer. Michel, tiens. Attendez. Que fais-tu? Mais y a personne. C'est ça le problème. Ah, tu as d'autres quartiers au nord. Ah oui, d'accord, les zones vertes. La zone verte, j'ai complètement zappé, merci Cocor. Voilà, c'est la preuve que c'est la deuxième fois que je joue au jeu. Deuxième. Ah voilà, merci. Il n'y a plus rien au nord. Non. Ah, il y a encore un. Ça va m'énerver. Darkwaters, oui, le magasin. Le magasin. Killian. Ça va. Qui es-tu? Killian Darkwater. Ah, évidemment, le maire. C'est une run sans compagnon, y a pas Yann. Act Bado, en fait, c'est pas. Qu'on appelle ça, c'est pas vraiment. C'est pas que c'est une run sans compagnon de base, c'est juste que j'ai pas pris Yann avec moi parce que j'en ai pas eu l'utilité et puis ça coûtait trop cher. Je m'appelle Roger. Oh yeah, sure you do. And when you were a baby, your crib was a safe. Yeah, if you say so. Ah, il l'a mal pris. Oh, what do you need? Il l'a mal pris, je crois. You bet. May not be as big as some in the hub, but. D'accord. Non, pas embrasure. Je vois le picor. What? La la la. Moi je me casse. Ah, vous vous démerdez les gars. Je ne suis pas là. Ah, moi je suis pas là, hein. Salut, hein. Ils se démerdent entre eux. Le problème c'est que si j'en aide un, je me retrouve en problème avec les autres. Toujours faire les poches. Un petit petite carabine. Reparlons à Michel. What can I do for you today? Well, that's a damn fine coincidence. That's what the... Ah, qu'as-tu à vendre, Michel? Du pognon, un magnum. T'as que de la merde. T'as que de la merde, mon ami. Par contre, je te vendrais bien cette connerie. Mais qu'as-tu en échange? Bon, là j'abuse un peu. Échange équitable, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, ma tenue là. 300 balles. Je peux pas changer? Ah. Voilà. Merci. Allez, salut. Oh, les mecs vénères.
Bon, soit. J'en ressors, je suis plus riche. Je n'ai pas eu d'XP. Mais bon, je pense qu'avec les 42 rats de corpion et toute la merde que j'ai pu buter avant, qui es-tu? Paysan de Dépoville. Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, on s'en fout. Bonjour. Un paysan. Oh! Mais qu'as-tu? Oh! Du pognon. Tu m'étonnes, tu fais fortune avec lui, là, le mec. Le mec, l'autre, il t'achète tout à des prix exorbitants. Pognon. Pognon is life. Life is pognon. Vous vous démerdez avec cette réflexion. Bon. Ah, le casino qui fait office d'hôtel. Non, attendez, c'est juste un hôtel. L'homme qui ne connaît pas le jeu. L'homme qui a des problèmes. Oula, le jeu. Non, 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 pas de bug. Pas de bug. Merci. J'ai eu peur. Bah, merde, avance. Bienvenue à la pieuterie. Je charge de l'eau. Non mais... Ouvre la porte. Bonjour mademoiselle. Bien, au revoir. Oh, ça sent le bon business de la tranquillité. Il n'y a rien là-dedans, évidemment. Il y a trois quartiers, d'accord. On va prendre les trois quartiers. Mais d'abord, la règle d'or du loubard, voler tout ce qu'on peut. Ouais, jeune merde, y a rien. Il y a une pancarte sur le réfrigérateur. Bah soit je prends tout. Membre d'une bande. Jeune homme tatoué à l'air méchant. Membre de la bande des Skulls. Oui, bonjour. On va aller parler, hein, vite fait. C'est ce que je vois, car tout le monde sait qu'ici, c'est le tête. Les Skulls, qui sont-ils? C'est nous sommes la bande la plus cruelle de la ville. En fait, nous sommes la seule bande, mais personne ne nous change. Oh, vous avez la main mise sur la ville? Sauf Killian, mais il est cool. Killian, mais il est cool, c'est une sorte de shérif. Victor et le requin. Vinny, quelques autres gars. On se défoule. C'est le gros gars qui tient le casino, il veut contrôler, mais Killian l'a à l'œil. D'accord. Sachant que le fameux Killian est mort à ma connaissance. Allons fouiller les affaires de tous les petits gens. Bon, je pense que j'en tirerai rien de continuer ici. Donc c'est leur territoire. On va prendre ça comme ça, sachant que Killian est mort, je crois. Bref, je. Ressous un peu perdu. Et attendez, ah non, là-bas c'est l'autre entrée. Allons au casino tranquillement, sans armes, les mains liées. L'emmerdement en plus. Alors à gauche, maison. Là on se. Gizmo, d'accord, donc c'est Gizmo. Gardien du ring. Intéressement personnel. Pognon possible, intéressement. Le bar, le gizmo qui est donc le casino, si j'en comprends, si je comprends bien. On va sauvegarder à la place de Yuva Shock. Down. Bonjour machin. Non, excuse-moi. Bonjour machin. Que fais-tu ici? Toujours vécu, je travaille pour Gizmo, propriétaire du grand casino.
Killian, c'est celui qui est doublé par le colonel O'Neill. No way. Tu peux te rendre à... Ah oui, mais Killian, c'est leur pote. Si tu cherches une chambre pour la nuit, va à la pieuterie juste à côté. Si tu envisages une chambre, tu peux aller. Prends un verre au Scumpit, mais attention au Skulls. Parle-moi du casino. Casino accueille tous ceux qui aiment le jeu. Il y a des tas de gens, c'est bien, c'est l'endroit le plus sympa de la ville. Ok. Qu'est-ce que t'as à troquer? Dis-moi que t'as un point américain. Il a rien, Clodo, va. Ah, Blu-ray qui parle mal du jeu. Direct. Pécor. Bah, direction le bar. Ah, c'est fermé, d'accord, comme par hasard, hein. C'est fermé. Non, j'ai ouvert. Non, j'ai fermé. Paysan. Phil? Il a pas un peu de mal, lui? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Phil. Monsieur, serait gentil de me débarrasser de ce maudit chien. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas nous laisser entrer chez nous. C'est pas ton chien? Compagnon d'un voyageur. Quand le voyageur est mort, ce maudit chien a posé son sale cul devant ma porte. Qui était ce voyageur? Un type qui disait venir de l'Est. Bien qu'Ismo l'a fait raser en deux par ces gars. Non mais beau gosse, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Blu-ray, c'est un ami. C'est une connaissance, c'est tout ce que tu veux. Son avis... est toujours marrant. Il regarde parce qu'il aime ce que je fais. Au départ de ces gars, balancé sur le toit du casino. Et bah... ouaf. J'ai pas de la bouffe pour lui. Ah, j'ai des fils. Si t'aimes pas, tu cliques sur la croix rouge. Ouais. Pour le beau jeune homme à lunettes, merci. Merci Blu-ray. Et le chien? Non mais le chien! Alors, dis-moi tout, toi. Mais elle est très gentille, cette bête. Bon. Fouillons un peu ses affaires. T'as rien à voler, même pas un petit truc, une petite... rien, de racavaziel. Il me suit le chien, réellement. Et je ne vois personne. En bas à gauche. Allez, John Cena. Il me suit vraiment le kleps ou... C'est un beau toutou que tu as là. Il me suit vraiment le kleps. Le kleps me suit, j'ai un chien. J'ai un foutu chien. On est d'accord, c'est pas mon chien. Putain, j'ai donné à bouffer à nouveau, je sais pas si ça va être utile. On dirait qu'il te suit, bah suis-moi petit con. Bon. J'ai un chien. Oui, foutu kleps. Foutu kleps. Canigou avec de la bouffe, oui. Ou un blouson en cuir noir. Bah je l'avais mais je l'ai perdu. Non mais arrête de courir. Mais... au pied. Mais bouffe, connard. Dire que tu pourrais jouer à Lundra plutôt. Oh là là, ça va m'en tout les jeux. Tiens, mange. Bon, et bah soit. Un foutu chien. On dirait un castor. Ah, tu veux que je te montre les taupes dans le jeu? C'est des trucs, c'est pas humain. Bon, soit. Table de roulette. Joueur de roulette. Un joueur. Je peux te poser quelques questions. Tu peux me parler de ton patron?
Et bah soit allons voir le patron. Que de très bons joueurs à ce que je vois. Faites vos jeux. Licence. Tu vois maintenant, combien veux-tu miser? 5 caps. Non merci. Fous-moi la paix, connasse. L'arnaqueuse. Balancer 5 balles dans cette merde. Ouvrons la porte. Bonjour. Iso. Bonjour Iso. Iso ne dit rien. Get your butt in here and sit down. We got some business to discuss. Non mais les taupes là, les d'habitude une taupe c'est petit, c'est chiant. Là les machins c'est des taupes garous le truc, c'est énorme. Alors, on va pas faire du sarcasme, quelles affaires. Here's the deal. Junktown, it ain't what it used to be. The only reason it's still here is because of my gambling establishment. Even so, Killian's been breathing down my neck. What I think is you're gonna take him out for me, you know? No witnesses, just in. Comme preuve. I knew you'd see it my way. As proof, I want the dog tags. Gizmo, le bureau. Ouais, ouais. You get them, you get your money. Now, just get. Iso. Donc faut que je m'occupe de Killian, mais c'est qui Killian? Mais il est pas mort Killian, Killian. Ah non, Killian. Ah mais... Il veut que j'aille tuer le boss. Comment je fais? Ah, quoique. Je sais ce que je vais faire. J'ai un plan. Alors, ça s'appelle... Le plan, c'est la merde. C'est la merde, mais négocions. En fait, ce qu'il faut faire, ça va être assez simple, je pense. Bref, je vais quitter le jeu. On va tout simplement quitter le jeu, car il y a Molfrid qui suit juste après pour sa petite émission de jeu indé. Je sais pas ce qu'il va faire exactement, mais bon, c'est le mystère. Je vous remercie de vos conseils, vos avis, tout ça, toutes ces sortes de choses, votre support, votre adoration de mes lunettes. Et puis, on se retrouve lundi prochain pour la suite de Fallout de 19 à 21 sur cette chaîne. Et puis voilà. Donc à la semaine prochaine, des bisous, bonne soirée. Et restez Celdel. Pourquoi j'ai dit Molfrid? Pardon Celdel. À chaque fois je fais une bourde avec Celdel, c'est merveilleux. Je sais pas pourquoi j'ai piffé Molfrid, j'étais persuadé que j'étais mercredi soir, bref. Donc c'est Celdel juste après avec des jeux indés. Restez Graou, Graou, Graou et Graou. Bref. Des bisous. Et c'est Celdel. Bordel, à chaque fois je me plante quand je dis ça, j'en ai marre. À chaque putain de fois, il vous le dit, à chaque putain de fois. Bref, des bisous.